allez assister à cette représentation théâtrale. Je ne vais pas en dire plus sur... Moi, j'ai eu la chance et l'avantage d'être chez l'établissement de voir déjà la pièce. Je peux vous dire qu'ils sont brillants. Alors, le Festival de Cannes, c'est le cinéma, hein, c'est pas le théâtre. Mais vraiment, il pourrait aller à la Comédie Française. Et je les félicite d'ores et déjà, parce que vraiment, c'est magnifique ce qu'ils ont fait et ce qu'ils vont produire devant vous. J'en profite aussi. C'est un énorme travail qui a été réalisé. Vous allez le voir, un énorme travail. Vos enfants se sont beaucoup, beaucoup investis, se sont beaucoup engagés. Évidemment, tout ça n'aurait pas été possible sans leur professeur et la comédienne qui a travaillé avec le professeur, Madame Tartara, qui est derrière vous, qui aura l'occasion de vous dire un mot. Et bien sûr, un énorme merci pour Madame Chevalet et Madame Castellet. Les deux professeurs de la classe de 5e 1 et 5e 2, vous allez voir, qui ont fait ce travail magnifique avec Madame. De ce que pensent les autres, alors pourquoi on ne pense pas ça? Le troisième point important pour être populaire, le rapport avec les autres. Évidemment, il ne faut pas être timide. C'est la base. Une populaire doit être ultra sociable. Mais attention, pas avec n'importe qui. Cette fille-là, avec son cartable à roulette de bébé et ses habits moches, elle ne croit quand même pas que je vais répondre à son sourire? Je l'ignore en passant devant elle sans même accélérer le pas. Le message est clair. Pour moi, elle n'existe pas. Ça va? Je n'ai pas fait mal? Non. C'est bon, quelqu'un t'a poussé? Non, non. Allez, prends ton cartable. On va y aller. Je sais qu'il ne faut pas hésiter à me dire si quelqu'un t'a embêté. Non, non, ça va. Mmh.
Mon frère m'a expliqué qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'être respecté au collège. Il faut s'imposer tout de suite. Être plus fort que les autres, dès le premier jour. À être prêt à le prouver en cognant. J'adore ma vie, le collège est trop génial. Mon plan pour être populaire fonctionne au-delà de mes espérances. Raph n'arrête pas de me sourire et Camilla est plus que jamais ma copine. Je me suis toujours demandé si elle me laisserait tomber au cas où je passerais dans le camp des losers. Mais je préfère ne pas le savoir. Ce matin, après 2 heures de cours, je dois retourner dans la salle de français où j'ai oublié mon écharpe. En arrivant vers l'escalier, je me rappe sur le palais du premier étage, tenant le cartable de Lana au-dessus du vide, par-dessus la balustrade. Rends-le-moi, allez quoi ! Kral, laisse tomber ! À vos ordres, je laisse tomber. Oups, je croyais qu'il y avait le sous-parachute en équipement de base. Attention à moi. Elles rigolent, elles ont l'air de bien s'amuser. Pourquoi je n'ai pas le droit d'être avec elles? C'est tellement injuste. Je suis plantée là, toute seule, comme une idiote, et ça me donne envie de pleurer. Tout le monde a déjà ses amis au collège, personne n'a besoin de moi. Il y a des journées moins bonnes que d'autres. Aujourd'hui, ça commence mal, très mal. Raph, tu crois pas que tu devrais arrêter d'embêter la main? Ça va finir par t'amener des problèmes. Pourquoi? Tu envisages de me dénoncer? Non, c'est juste que je suis inquiète pour toi. Raph, il a toujours l'air de rigoler et il fait le gros dur en embêtant Lala. Mais moi, je le connais bien. En vrai, c'est un gars gentil qui aime les défis et les sensations fortes. Je le glisse à l'intérieur d'une des chaussures de mon sac. Et l'attaque est brutale et me prend au dépourvu. Raph m'arrache mon sac des mains en criant. Je me précipite pour arracher mon sac, mais il esquive mes gestes. Il court en rond et continue à crier en tenant mon sac en l'air. Il balance le sac par terre. Et avant que j'ai pu esquisser le moindre mouvement, il s'est blessé à pied joint. Non ! J'ai hurlé sans me rendre compte. Je n'ai qu'une seule idée à l'esprit, le château. Je me jette à genoux devant le sac. Ah ! J'ouvre le sac. Je sors la chaussure. Je glisse ma main pour en extraire le château. Malgré mes stimulations, il garde les yeux fermés. Son corps est mou, sans tonus. Il ne bouge plus.
C'est ça qui te fait rire? Je ne pouvais pas deviner qu'il y avait un chaton dans le sac quand Ralph a sauté dessus. Le soulagement me dessert la gorge. Il est vivant! Je cherche un adieu regard pour lui dire, mais il s'en veillait en train dans le bureau de la discolettre. Elle pourrait être virée du collège. Quelqu'un de faire du mal à une autre personne, on n'est pas une balance. Toi, tu penses ça, mais si j'avais dit quelque chose, les autres m'auraient traité de balance. Si on veut être populaire, on ne veut pas être une balance. Je comprends, Jenny, être populaire, c'est important pour toi. Mais ce qui me semble encore plus important, c'est d'être quelqu'un qui essaye de vivre selon ses principes et qui respecte les autres. Au collège, il y a des personnes qui travaillent et de s'occuper de ses problèmes et de les régler. Pour faire en sorte que tout le monde puisse vivre ensemble de la meilleure manière qui soit. Et même si tu as l'impression que tu pourrais être moins populaire, je pense que tu te trompes. Peut-être que beaucoup d'autres enfants de ta classe ont vu que cette situation s'arrête. Peut-être qu'ils sont mal à l'aise quand ils assistent aux différents entre Ralph et Lana. Sans doute qu'ils seraient soulagés que quelqu'un intervienne. À Lana, 3 fois 2 heures de retenue à faire au CDI pour ranger les livres. Et 2 autres heures à l'administration pour mettre des documents sous enveloppe. 2 heures en salle de permanence pour rédiger un devoir sur le harcèlement. Ça va, la sentence me paraît juste. Je m'excuse. J'espère que tu n'en veux pas trop. Alors voilà, je m'excuse. Ok, j'accepte que je m'excuse, mais je ne verrai pas ce qui s'est passé. Moi non plus, je n'aurais pas dû te frapper. Désolée. On croit que les gens qui en attaquent d'autres sont courageux.
C'est faux, ce sont des lâches. Personne n'aurait l'idée de s'attaquer à quelqu'un qui pourrait se défendre et remporter l'affrontement. C'est beaucoup trop risqué. Alors on choisit des proies désarmées qui ne savent pas riposter. À partir d'aujourd'hui, nous apprendrons à se défendre à ceux qui le souhaitent. Ceux qui veulent s'inscrire. Moi, je veux m'inscrire. Moi aussi. Moi aussi. Ok, on va vous apprendre. Qui s'est déroulée dans la ville d'Amsterdam, dans une école, la Hamster School, qui forme au mieux les jeunes hamsters pour pouvoir courir dans la roue de leur cage. Dans cette école, il y a une classe en particulier, qui compte les meilleurs jeunes coureurs du pays. Enfin, pas tous, sauf Spark, qui lui, eh bien, n'est pas du lot. Malheureusement, Spark se fait harceler par Xavier. Xavier, lui, en revanche, est le meilleur de son cours. Xavier n'avait pas vraiment de raison apparente pour harceler Spark, peut-être juste pour montrer qu'il était le plus fort devant son meilleur ami Max. Max, lui, assistait à toutes les scènes d'acharnement envers Spark. Mais que pouvait-il faire? Un hamster ne pouvait pas être une balance. Spark, toujours plus fréquemment et méchamment harcelé, décida de changer radicalement son mode de vie. Il diminuait ses repas, il se couchait tard le soir pour s'entraîner plus,
jusqu'à ce qu'un jour, durant l'examen final de fin d'année, Spark tomba dans les pommes devant toute sa classe, devant Max, qui en décida que c'en était trop, et alla en parler à son professeur. Le professeur demanda à Xavier s'il disait la vérité, et Xavier affirma. Quelques mois plus tard, Xavier, Max et Spark se rencontrèrent à nouveau. Xavier et Max s'excusèrent auprès de Spark. Spark ne les avait pas complètement pardonnés, mais avait compris qu'ils étaient sincèrement navrés. Et voici l'histoire de trois hamsters à la Hamster School. Nous étions plusieurs, mais il n'était qu'un. Je ne pensais pas en arriver à ce point. Je me blâme, mais nous ne comprenions pas à quel point ça fait mal les uns sur les coquins. Les insultes de quelqu'un. Nous le trouvions différent. Étranger, je l'ai maltraité. Fait de masse à porter. Au collège, les rumeurs ont commencé. Tout le monde savait, personne ne le défendait. Personne ne le défendait. Petit maigre, nous trouvons un défaut. Même les professeurs étaient méchants avec lui. Il faisait son boulot d'écriture. Amélie, tu as eu de la chance aujourd'hui. Votre Billy s'est envolé et malheureusement, il ne reviendra plus jamais. Désormais, c'était trop tard, car on l'avait emmené. Je n'avais même pas eu le temps de m'excuser. Le temps de m'excuser. Toujours les mêmes. Un mois passé, rien n'a changé.
moquerie, solitude, rabaissement. Plus rien n'est comme avant. Plus de raison pour y rester. Âme blessée, j'ai donc décidé que vivre n'est pas exceptionnel. Demain, je partirai au ciel. J'ai déménagé, je viens d'arriver, et à cette idée, j'ai beaucoup stressé. Il me regarde mal, me traite d'anormal, les insultes fusent, je suis toute confuse. S'installe dans mon cœur. La coupe est pleine, propos de haine. Tout a basculé, mais je n'ai rien fait. Aboubacar avait la peau noire, un détail pour certains, mais pas dans son dortoir.
Entre moquerie et méchanceté, ses amis lui disaient d'aller se laver. Quand Aboubakar voulait jouer, ses amis refusaient car sa peau était trop foncée. Aboubakar, toujours aimable, malgré ses paroles désagréables, gardait son sourire et son sang-froid, même dans son grand désarroi. Il faisait face à ses tracas. Quand un beau jour, M. Badis vit le désagrément que vivait son fils, il attendait le moment propice pour qu'une discussion aboutisse. Entre moquerie et méchanceté, ses amis lui disaient d'aller se laver. Quand Aboubakar voulait jouer, ses amis refusaient car sa peau était trop foncée. Préférant jouer la carte de l'ignorance, Aboubakar resta muré dans le silence. Choisissant ce qui était pour lui la facilité, il décida de quitter cet enfer pour un monde de paix. Maintenant, c'est trop tard.